Sky et on se retrouve sur Europa Universalis 4. Non, sur Earth of Avalon 4 plutôt, hein, je voudrais dire. Hein. Excusez-moi de ce petit lapsus. À la tête donc toujours de la France, là. Donc on affrontait bah, toujours l'OTAN. J'avais fait des poussées par ici. Bon, je me suis fait couper, donc du coup, je vais rester à glander là. Du coup, ce que j'ai tenté de faire, c'est un petit peu de micro-gestion ici pour pousser par là. Pousser ici. On va essayer de pousser un peu par là pour faire quelque chose. Je crois que les Ukrainiens arrivent à se bouger le cul. On va recruter tout ça. Unités de plus qui vont aller sur le front là. J'ai la chance de pas être en guerre contre la Suède et que la Suède soit neutre. La Suède c'est neutre normalement, si je regarde bien leur un interventionnisme. Je crois qu'ils feraient isolation. Ils peuvent créer une faction. Par contre, en idéologie, je n'ai rien choisi pour l'instant. Ok. Après, nous, on va faire quoi? On va faire un truc. C'est raffinerie. On va voir si on ne peut pas créer autre chose. Ingénierie, on a tout. Ça, je m'en fous un peu. Je vais pas créer mes avions, moi là. Non, je suis en 2013, je suis déjà en avance. Elle a créé des corvettes. On va se barrer ici et après on va foutre le camp vers le port qui se trouve là-haut. Je sais pas si je vais récupérer le port ici, du moins de tenir la zone là. Même s'ils avancent par ici, si je tiens juste les ports ici, ça ferait du bien. Ça, c'est tenir 2-3 ports. On va essayer d'avancer par ici. On va essayer de faire 2-3 percées. Les Polonais, je sais pas ce qu'ils foutent, ils foutent de la merde là. Il y a des gros trous. Non, passez par là les gars. Poznan. Là, regardez, il y a des gros trous là. Partout là, on peut avancer. On va essayer d'emmerder les autres. Maximum. Ah, si vous jouez au con avec moi, je peux jouer à ce jeu là aussi. Hein. Et les Coréens, je sais pas s'ils foutent là encore ces couillons là. Voilà, vous la foncez à Bucarest. Si je prends les autres à revers là. Parce que je sais qu'ils sont obligés de bouger leurs troupes ailleurs, donc ils dégagnent ce front là. Pour simplement pouvoir faire face à leurs ennemis.
qui se multiplient. Je sais que l'OTAN est de plus en plus à la mouise. L'OTAN risque de se faire détester par pas mal de monde. Bon, c'est une bonne nouvelle évidemment. Poznan. Si vous voulez prendre Poznan. Hein. Vous barrez pas là. Derrière toi, vous faites quoi vous? Vous allez d'ailleurs foutre le camp là-haut. On fait choquant les gars, on abandonne cette partie là et puis ben on se replie en Estonie. Ouais, je sais que c'est moche, mais bon. On a plus le choix. Il y a beaucoup de monde. Là, si on réussit à percer ici, là on est 70. Là. Si on réussit à percer là et à bloquer ici, on fait une poche pour massacrer tout ça. J'ai appris Bucarest. Ouais, faut j'essaie de les user, hein, les avoir des petits coups vicieux comme ça. Partout où on peut. Tout. C'est descendre d'ailleurs vers. Par ici. De la Wrocław. Enfin Breslau plutôt comme on l'appelle aujourd'hui. Ah oui, ça vous fait chier, hein, je sais. Putain, là par contre, on s'est carrément enfoncé là par les Ritanos là. Ça m'emmerde de repas de la Roumanie là. Les Ukrainiens, vous pouvez pas faire quelque chose là? Les Ukrainiens sont en guerre contre tout le monde, hein, contre tout ça. Créer une faction, je veux créer une faction avec l'Ukraine, d'accord. J'ai pas envie de créer une faction, j'ai envie de la jouer solo. Il y a une poche que vous avez fait pour le blaireau, mais qui sert à rien. Hop, on va y aller comme ça. Ok, on va aller à Colcée plutôt, par là-bas. Faut faire capituler ce petit débile. Ils vont m'emmerder, hein. Faut vraiment que je fasse craquer ici. Varsovie est tombée, c'est une très bonne nouvelle. Non, je prends qu'un seul régiment. Il va rester dans la capitale.
Comme ça, j'essaie de couper avec de faire un truc avec l'Ukraine. En gros, j'ai l'Ukraine, voilà, c'est bon, je tiens le truc là. Tout est bien faire pour les emmerdes d'ailleurs. Ici, on va se tenir ou pas? Apparemment, oui. Seulement ah, l'OTAN. Là, par contre, je craque, hein. Je me fais bouffer dans les Balkans. %, et là, 8%. Merde. Enfin, j'arrive à exploser ici, là. Enfin, à exploser là. Quoi, c'est que je perds ici? 4 divisions, d'accord. D'où vous tenez pas, les boules de crétins, là? Et là, regardez-moi ça, là. Vous pouvez pas prendre ça. C'est moins de prendre ça qu'on n'ait pas de petites enclaves comme ceci là. Non seulement c'est super moche, mais en plus c'est très très chiant à tenir. Oh, plus de grève des travailleurs, c'est parfait, c'est une bonne nouvelle ça. Cracovie en dessous. Bon bah voilà. Par contre, régiment, certains régiments qu'on fond, qu'on parle fondu. Hein. Faut que je remette, faut absolument que je remette des trucs là. On va mettre des régiments ici pour regrouper, pour qu'on puisse les recruter dans les Balkans, vite fait. Le problème, c'est qu'ils nous encerclent là-dedans. Meilleure solution serait que je me replie ici sur le Danube, mais bon. Je parierai toutes mes conquêtes. Alors vous êtes super malade, vous êtes que 7 malheureusement, c'est pas assez. Faut trouver un moyen de bloquer ici, puis de pouvoir juste... Je mets une défense ici, sur ce côté-là, et après tout le reste, je leur fais foncer vers là. Pas seulement que je coupe ici, et ça va pouvoir prendre tout ça, ben... En tenaille. Tous les côtés. Quel qu'il soit. On va essayer de les choper là. Vous ici. Descendez-moi vers le sud. On va essayer de prendre le plus de territoire possible. J'arrivais seulement à pouvoir réunir, à me réunir avec ça ici. Oh, il y a moyen, je change un truc.
Plante ça, j'en ai fait une ligne pour foncer vers le sud. Je tente. Hein. Si je fais encercler au niveau de la République tchèque ici, comme ça j'aurais bloqué tout ça, toutes ces unités là. Et si je les massacre, je me replie vers l'est. Rouillez-vous les gars, ramenez-vous par ici. Bon, sincèrement, qu'est-ce qu'on manque de matos? Ouf. On va essayer de foncer vers Prague d'ailleurs, histoire de leur piquer leur capitale. J'essaie de faire une poche ici de tout prendre. Faut tenir, faut essayer de les percer là. Alors limite je tente un truc, la fuite en avant. Cette fusion avant marche. Au niveau de la Pologne, si ça marche l'encerclement ici, ce serait du miracle. Ce sera épique. Ça serait la plus grosse prise que j'aurais jamais réussi à faire. Pelle d'Oubis. Fais que ça marche, s'il vous plaît, fais que ça marche. Bon, faudrait surtout pas que je fasse percer là, moi. Faut qu'on les immobilise. Sacrément la petite poche ici. On passe là. Slovaquie orientale. Bon. Fermez-moi les poches, les gars. Dites-moi que vous réussissez à faire la petite poche là. Il faut qu'on essaye absolument, faut qu'on tente. Si on réussit à les percer, si on réussit à les encercler là, faites-moi la percer les gars s'il vous plaît. Maximum. Oula. Oh,
61, allez, s'il vous plaît, essayez de défoncer là. J'ai l'impression que c'est en mode fuite et puis qu'ils essaient d'abandonner la région là, qu'ils essaient de faire en sorte que leurs troupes se replient. On va essayer de passer par là. Le but c'est de les emmerder au maximum. Le but c'est de les stresser et de faire en sorte qu'ils se disent oh merde, merde, faut qu'on bouge. Vous pouvez percer à un endroit, les gars. Rocklaw. La Finlande part en guerre contre la Russie. Putain. J'ai l'impression que là, que tout le monde est en train de bouffer à tous les râteliers. Là, j'ai l'impression que c'est la grande curée sur l'OTAN. Du coup. La conséquence, c'est que bah, si la Finlande avance, elle est en guerre contre la Norvège et contre la Russie. Du coup, je pense que bon, bah, la Finlande va se lancer à l'assaut. Ça va obliger les autres à bouger leurs troupes sur encore un autre front. Oh, l'AEDU, l'agence chinoise, d'accord. Du coup, vous là, les 10 là, vous allez rejoindre vos potes ici. Il faut qu'on ait des chars aussi. Raté Klavok là, c'est bon. Ils avancent. Il n'y a plus qu'à essayer de percer ici. Alors lui par contre, il est un peu con. Tu vas aller ici, par ici. Et toi, tu vas par là. On va essayer d'encercler la division indienne là. Ce qu'il faut, c'est que je me débrouille pour pouvoir percer. Pour pouvoir couper ici. Putain, on se fait couper nous cette fois-ci. C'est mon piège qui se referme sur eux. C'est mon piège qui se referme sur nous, plutôt. Faut pas qu'on se coupe là, c'est hors de question. Quand c'est dit que la Slovaquie capitule pas encore. Tout va rester là finalement. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prenne ce point là et celui là. Je reprends les deux points là. Le piège se referme. Et pour ça, il faut que les renforts arrivent.
foutu mon dogon? Putain, c'est chiant ce truc là. On va attendre un petit peu. Ouais, reste ici les gars, c'est bien. Alors vous, les 8 qui sont là. Vous devez vous répartir là pour renforcer ce côté-là. Je vais m'arrêter à Brno, je vais essayer de prendre Olomouc, histoire de au moins d'avoir un poste de ravitaillement. Putain, genre, ma poche a raté. Là, je recule pas. Olomouc, j'attends. La Finlande, elle avance. Parfait, parfait, parfait. Et là, en Inde, ça avance, mais il y a ça qu'il faut prendre aussi, les gars. Peut-être que je la cherche aussi. Et pour aujourd'hui, je m'arrête là. J'espère que l'épisode du jour vous aura plu. On vous dit à la prochaine. Salut tout le monde!